Et bonjour tout le monde, on se retrouve, on est mercredi soir, du coup, sur Indie Vélo, sur l'Omnium du mercredi, bienvenue à tous. Alors, j'ai un mini souci, j'arrive pas à faire détecter mon cardio, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, ça m'embête un petit peu, mais c'est pas la fin du monde non plus. Et donc, pour ceux qui rejoignent et qui ne connaîtraient pas, on a des nouveaux chaque semaine. L'Omnium du mercredi, c'est 4 épreuves d'affilée, c'est très sadique, c'est pour ça qu'il y a du monde qui vient à la fois concourir et regarder. Donc 4 courses d'affilée, on va commencer par la première qui est tout simplement l'élimination. Dans ce magnifique stade Vélodrome, dans le Vélodrome, décoré d'un petit koala. Il tient la coupe et il va falloir aller la chercher. Depuis une semaine, on a introduit une espèce de cash prize. Je vais vous montrer ça. En fait, pour celui qui gagne chaque semaine l'Omnium, il va avoir le droit de porter, s'il veut évidemment, la tenue du champion de l'Omnium. 4 couleurs, vert, rouge, jaune, bleu, sur le dos et sur le cœur, vous allez voir, pour représenter les 4 épreuves de l'Omnium, avec la forme du Vélodrome sur les puissons. Donc toutes les semaines, celui qui gagne l'Omnium a le droit à ce kit, qui est évidemment remis en jeu chaque semaine. Voilà le petit délire perso. Hop. Allez, on va aller arrêter nos conneries et on va aller se mettre sur la ligne de départ pour pas louper le départ et surtout pour pouvoir avoir le temps d'expliquer les règles à ceux qui sont là peut-être pour la première fois. Il voit toujours pas le cardio, mais c'est pas grave. Expliquer en anglais, du coup c'est l'élimination, ça c'est simple, tous les deux tours, donc tous les kilomètres, à chaque arche verte, 5 éliminés, donc les 5 derniers qui passent la ligne. Du coup c'est des sas de niveau sur la première. Ça sera pas toujours le cas. Et je vais aller aussi me mettre en même temps sur le Discord. Je vois qu'il y a du monde déjà de connecté. Et bonsoir. Salut. Salut. Joyeux anniversaire. Ah oui, c'est vrai. 2 ans de l'Omnium. Exact. Ah, on m'entend plus. Ah si. Happy birthday. Oh, Rasmus Feldal. Hey. Tu vois le podium qui s'éloigne de là? Ça fait mal. Podium. Ouais, merci. Les 2 ans. On va venir en division 2. Hein. Ah, j'aimerais bien, mais... J'aimerais bien, mais on m'interdit. Ou 3 ou 4. Je vais faire un reroll, Antoine. Ah, le jouet se mort. Pas du tout, ça.
Ah non, ils sont où les maillots jaunes avec des quoi là? Ah, c'est ce soir le maillot jaune. Bah, il me semble que c'est déjà actif, c'est ça, Thomas? Ouais, ceux qui ont gagné la semaine dernière ont déjà le maillot. Donc, si vous repérez un petit maillot moitié noir, moitié blanc avec quatre couleurs dans le dos, c'est un vainqueur. Genre Greg et Frison. La classe, la classe. Et Thomas, on a fait un pour la classique du jeu, lui aussi. Merci Thomas. Merci Thomas. J'ai demandé qu'on y ait été payé pour tout ce travail, mais pas très cher apparemment. Ah. Même pas de quoi financer son eucalyptus. Pourquoi ? Il va falloir que je regarde après, il y a un truc qui va pas. Pas besoin, c'est un panda au régime. Ah, panda. Ah, celui d'Antoine, il est pas encore dans le jeu par contre. Ah, mais il va y être déjà. Il va y être samedi, ouais. Voilà. Alex Fager qui est là aussi. Celui d'Antoine, il est beaucoup plus discret, vous allez voir. C'est tout dans la retenue. Ouais, c'est discret. J'ai plus de plus discret en plus entre les deux. Ah, là, j'ai déjà mal au mollet droit. Ah, il est bien, il est bien. Ok, bah, très bien. Bah, d'avoir secoué le. d'avoir ah, secoué le... la cassette à l'arrière a suffi. J'ai pas trop le temps de m'échauffer. J'ai mangé un peu tard, un peu léger. Mais j'ai pas assez bu. J'ai pris le soleil sur la terrasse au travail. Je me suis déshydraté. Ah, j'ai passé le tracteur comme deux ans plein soleil. Vous comprenez. Ah, voilà. Eh ben, il y a du monde. Ouais, j'ai vu, on était une trentaine d'inscrits. Après, il y en a qui rejoignent les derniers moments, il y en a qui sont inscrits qui viennent pas, mais je pense qu'on sera une trentaine de nouveaux. Ah, allez, je vais essayer d'arracher. Oh, non, peine 2 sur 3. Moi aussi. Ah, puis littéralement, côte à côte, Antoine. Il y a juste un mec entre Ange et nous, mais... Ah, le bouffé, le bot. Ah, Vincent 10e. Est-ce que Christine est là avec nous? Ah, peut-être... ah si, là, voilà, 20e. Little Yann. Il y a Vincent aussi devant. Donc là, c'est... Mais ça, c'est on est 30. Johan, du coup, très fort au sprint. Il y a 12 tours, hein. 6 éliminations, 6 fois 5, 30. C'est pour ça qu'on bloque à 30 coureurs. Donc ici, vous savez, hein, on adore organiser ça, se faire souffrir. On n'a pas le meilleur niveau de la soirée du tout, du tout, du tout. Mais on aime bien se faire souffrir. Et donc, comme d'habitude, on rappelle... Au-dessus du classement, à droite, vous avez une petite barre qui défile, une petite barre grise, horizontale, avec à gauche la distance jusqu'à la prochaine arche. Alors on va se mettre dans la vue de la souffrance. Énormément de vent, attention. Allez, notre premier sprint, on est safe. À la ligne droite. C'est bon, une fois. Donc sur la ligne d'arrivée, c'est vent de face, plein de poids.
Il t'en fait échapper déjà là. Derrière. Con. Ah, bon vache. Je me dis je suis 24, c'est bon. Mais non. Oh là là. Le problème, c'est que allez, faut faire top 15. Faire ta bitch. Le pire en pire. J'essaie de regarder d'où vient le son bizarre. Je sais pas, c'est que moi qui ai le problème de son.
Désolé pour ça, je vais essayer de relancer le stream. Bon, si ça change quelque chose. Oh. Alors, Tom. Tom qui est parti. Allez, c'est parti. 1000 watts. Presque. Bien joué. Bien joué, Anton. Ça n'a rien pu faire. On m'a fait quelques coups de pédale que je n'avais plus. Il est très fort, Nick. On va faire une mini coupure. On va s'entourer pour la deuxième épreuve. Ah, tout de suite. Bon.